Ici, c'est une croix, là, une couronne ou une chaîne qui manque. Des ornements en cuivre ou en bronze ciblent des voleurs de métaux. Des vols en hausse ont les cimetières de la ville de Bruxelles, en particulier ceux situés à Evere-et-Laquen, en raison du nombre de monuments hérités du 19e siècle. Depuis octobre 2012 jusqu'à mars 2013, 250 faits de vol dans les cimetières, et particulièrement à Laeken. 15 dépôts de plaintes, mais quand même 200 sur 250 faits, c'est quand même beaucoup. Dans cette pièce, 1500 kilos de métaux précieux, des objets retrouvés par les gardiens dans les allées. Car les voleurs, des bandes organisées, opèrent en deux temps. Un, ils repèrent et planquent les objets avant de les évacuer ensuite par les grilles à l'entrée des cimetières. On va mettre l'accent sur les caméras et sur de la surveillance, sur la formation de notre personnel. Et on va essayer aussi de protéger les murs. Au moyen de fils barbelés, la police locale devrait aussi renforcer ses patrouilles. Des mesures en vigueur dans les semaines et les mois à venir pour tenter de protéger les sépultures et l'intérêt patrimonial des lieux.